Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour ce LP. J'espère que vous allez bien tranquillement. Du coup on se retrouve après que j'ai fait quelques petits minages. Oui, petits minages. Gros minage plutôt. Pourquoi? Tout simplement c'est que je suis allé dans le Nether, hein, comme il se trouve là. J'ai fait ma première pioche en diamant. J'ai ramassé beaucoup de fer, donc ce qui m'a permis de faire la table d'enchant. Cette table d'enchant m'a permis également de la mettre Sharpness 4, Soul Stealer 2. Comme elle avait Mining, c'est magnifique, et un Break 3. Donc ça va, c'est plutôt cool comme épée. Elle fait pas mal de dégâts. Également, au niveau des armures, il y a un truc qui est assez important. Il y a l'armure of Doom, mais en fait j'ai remarqué que au niveau des armures, ça nous donne des effets différents. Le Cold Chest, donc c'est de Armor Plus, vous donne Night Vision. Bon, après il y a la version Charcoal qui donne le même effet. Le Lapis vous donne Water Breathing qui vous permet de rester sous l'eau. Donc ça c'est plutôt un bon point. Ah, j'ai toujours mon ancien truc. La redstone vous donne speed 2 constamment. Voilà. L'émeraude vous donne haste 2. Donc ça c'est très pratique haste 2. Faudrait voir pour récupérer des émeraudes. L'obsidienne vous donne résistance. Et grâce à cette obsidienne, vous mettez deux helmets. Un saut de lave et ça vous donne résistance 1 et fire résistance également. Donc du coup ce que je me suis fait, je me suis mis toute l'armure en fire résistance. Donc. C'est juste pour avoir le côté classe de l'armure, parce qu'elle est franchement très très classe, hein, salut. Donc elle est très classe, et du coup j'ai résistance à l'infini, hein, comme vous pouvez voir, résistance et fire résistance. Alors après, bien sûr, il y aura d'autres armures qui sont un petit peu plus pétées, mais ça c'est cool. Il y a ça aussi. 4 phasers, ça vous donne du speed 5. Donc le speed 5 c'est assez pété. Déjà le speed 2 c'est assez rapide. Donc le speed 5 c'est quand même 2,5 fois plus. Donc c'est assez pété. Après, je l'ai pas testé parce qu'au niveau de ces armures, je connais pas trop. Mais il y en a pas mal que je voudrais bien. Après le Guardian, là c'est en butant que du Guardian. On obtient ceci. C'est pour faire l'armure of Doom. Et puis il y a celle-ci qu'il faut buter en fait de l'Under Dragon à gogo. Donc, bien sûr, l'Under Dragon pour l'instant, on va pas le faire. Nous, ce qu'on va faire, puisque on est dans notre petite zone là, je vous demande si vous pouvez faire une maison qui ressemblerait un petit peu pas ici en fait. Comment vous dire ça? Là, nous sommes une petite île. C'est magnifique, c'est super beau, c'est tranquillou. Moi, ce que je voudrais. C'est qu'on essaie de faire une petite maison en 3D. Alors, bien sûr, la maison en 3D, c'est que j'ai besoin. Forcément, ça va. Ah, c'est bon. Forcément qu'on va avoir besoin d'un petit peu, en fait. Oh, c'est cool, des fermes générateurs. Ah, bah oui, j'en ai remis. Speed modifier, Penzo. Ok. Ah oui, ça c'est pour Extra U. Oui, Extra U 2, je l'ai remis. Je l'ai mis parce que je l'avais pas mis. Mais je l'ai remis. Tac, tac, tac. C'est des Sterling Generator. Donc, c'est de la Stone Brick. Je pensais que c'était de la Cobble ou autre, ça marchait, mais là non. Furnace, ok. En fait, ce qu'on va faire, c'est déjà comme j'ai été parti un petit peu miné tranquillement, je me suis fait à l'habitude de la comment de la du combat de la 1-9. Franchement, ça va, c'est plutôt cool. Et, bon, il y a encore quelques petites difficultés à faire, mais sinon dans le principal des cas, c'est bon, c'est cool. Donc pour l'instant, c'est cool. Donc ce qu'on va faire. J'ai bien dit ce qu'on va faire. What? C'est quoi ça? Polished, andésite, stone. Ok. Ah oui, d'accord. Après, c'est du fer. Ok, ça, c'est des générateurs. C'est pas mal comme générateur. D'ailleurs, ça pourrait être sympa de le faire. C'est, ça évitera de faire les gros sterling à gogo. Alors, j'ai voulu mettre Mainchem, mais sauf qu'il n'est pas encore officiellement en 1.9, il est même pas en 1.8 encore. Il y a Botania. Botania, il faudrait que je le rajoute. Parce que c'est vrai qu'il est en mode unofficiel.
C'est juste des pré-bêta, des alpha. Donc du coup, ça ne sert absolument à rien pour l'instant. Dites-moi aussi ce que vous voulez faire. Est-ce qu'on va regarder des biomes pour voir un petit peu où est-ce qu'on pourrait faire d'autres choses, d'autres choses en fait. Ah, voilà. Il y a la tête qui s'affiche. C'est chiant ces trucs de tête, je voudrais bien les enlever parce que ça fait lag. C'est plutôt chiant. La tête du dragon. La tête du dragon, lol. Donc, ah oui, les Ender Crystal pour régénérer l'End. Ça c'est cool, faudrait qu'on le trouve de toute façon. Mais avant ça, malgré qu'on ait quand même des armures assez cool, on a nos premiers générateurs, ça c'est bien, on a Enderio. C'est vrai qu'après, au niveau de l'énergie, on pourrait les stocker. Pourquoi les stocker? Parce que Open Computer, il a besoin d'énergie pour ce setup, mais également, il faut le faire. En fait, Open Computer, c'est un mode que j'ai trouvé qui était assez génial. C'est surtout... Pourquoi j'ai pas le... Faut que je mette l'open devant. Ah, j'étais pourtant sûr de l'avoir désactivé. Ah oui, l'arobase. Faut j'enlève l'arobase en fait. Voilà. Open CC. Open computer. 3D print. Oh. Material cost. D'accord. Oh, c'est cool ça. Bon. Enfin bref. Voilà. Open computer en fait, c'est un mode à la base du computer craft. Sauf que... Lui me permet, entre autres, et je trouve ça vraiment très classe, c'est que on a des tiers qui est des serveurs, c'est assez cher, hein, il faut dire ce qui est. C'est vraiment très cher. D'ailleurs, est-ce que j'ai une table de craft? Normalement, j'ai une table d'Enderio, mais j'ai aussi les storage drawers. Ça serait bien avant de mettre ça qu'on se fasse une petite salle de coffre. Temporaire, hein, vraiment temporaire, parce que les coffres c'est bien beau. J'ai mis les éléments dessus. J'ai beaucoup cherché de quartz pour avoir beaucoup de level. La preuve, j'en ai encore 34. Pour essayer d'avoir peut-être une sharpness 5. Une sharpness 5 là-dessus, ça pourrait être assez bien. Ça rajoute quoi une sharpness 5? 0,5 coeur, je crois. 0,5 d'attaque, ouais, d'attaque. Donc ça va, ça pourrait être bien, franchement ça pourrait être bien. Il y a des calls là, les calls là en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous divisez tout simplement 8 fois 2, 16, c'est ça. C'est juste en fait pour éviter de gaspiller en fait un call entier, vous pouvez l'avoir directement. En fait, ça brûle un élément, ça s'arrête. Qu'un call, vous cuisez en fait 8 éléments. Et si vous en avez que 2, c'est con de le cacher. Donc c'est juste un petit gain comme ça. Également, vous avez dit également qu'il y avait des donjons, petit patati. C'est bien beau, mais les donjons pour l'instant on va pas forcément les faire puisque c'est assez cher. Du cactus. Ah bah il a poussé, tiens. Voilà. Comme ça il va pousser tranquillement. Faudrait que je fasse une ferme à canne à sucre à un moment, une ferme à poulpe. Comme lui en fait, il va crever, hein. Voilà. Pouf. Donc j'ai 3 ink sacs, c'est plutôt cool. Les ink sacs en fait pour l'instant je les garde parce que ça peut être intéressant pour plus tard. Pour moi c'est un élément. Donc Open Computer, c'est bien beau, mais pour l'instant on va pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il va nous falloir pas mal de choses. Il y a une chose que je voudrais bien faire avec vous, c'est pour ça qu'on va aller tout de suite où qu'il faut. Ça, tiens, je vais le transformer en four au cas où. Voilà. On va utiliser pas le quartz parce que c'est tellement cher le quartz. La Netherrack, ça suffit largement la Netherrack. En prendre deux stacks, ça peut être intéressant. Normalement, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Ah oh, bah j'ai déjà ça, c'est cool ça.
Ah oui, mais c'est pour faire des disquettes. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais peut-être prendre l'arc. Ça peut être intéressant de prendre l'arc. Donc, on va aller dans le Nether. On va aller faire un petit donjon. Voilà. Nous voici dans le donjon. Oh, donc nous avons un donjon par ici. Normalement, notre donjon qui se trouve un peu plus loin. Non. Ouais, par là. Il y en a un là-bas qui me semble plutôt correct, sauf qu'il faut passer par la forteresse et autres. Bon. On va aller par là-bas. Alors j'ai pas mal miné dans le Nether. Hein. J'ai déjà généré pas mal de choses. C'est surtout pour récupérer de l'XP et faire des putains de tables d'enchant. Plutôt de l'XP qu'autre chose. Mais pour l'instant, voilà. Hop. Donc, le donjon là, pourquoi j'ai mis là? Parce qu'en fait, il est en face. Ce donjon, il est juste en face. Donc, il y a juste à traverser ici. Ne pas tomber. Alors, on peut tomber dans la lave parce qu'on s'en fout un peu vu qu'on a Fire Resistance. Sauf que, en fait, là-dedans, bah, il y a des spawners. Et des fois, c'est des spawners assez pétés. Donc, du coup. J'ai pas envie de me retrouver avec une cinquantaine de mobs sur la tronche, juste pour les beaux yeux du monde. Ce qui est quand même un peu con si s'avère si c'était le cas. Je pourrais aller tout droit d'ailleurs, mais vaut mieux que j'aille par ici. Bon, en tout cas, vous êtes nombreux à aimer cette série, et je vous en... Comment? J'en suis très heureux que ça vous plaise. Également au niveau des mods, oui, je le mets à jour sur le passbin. Dès qu'en fait il y a une mage qui me dit comme quoi il y a un mod à mettre, ben je le mets. Qui sont en bêta en release. Tout à fait normal. Donc du coup je le mets à jour. Voilà. Bon, en fait ça monte là-haut, mais ça monte, ça descend en fait, et il faut descendre pour accéder au donjon. Donc voilà, oui, et puis la liste des mods aussi, c'est à vous de les télécharger, je n'ai pas le droit pour l'instant de les mettre dans un... comment? Dans un... Comment? Ah, comment on appelle ça? Salut. Oh, des patates, des carottes. Oh, c'est cool ça. J'ai pas le droit pour le mettre, pour l'instant, de le mettre en diffusion. Voilà, mais il viendra. Ça, c'est un spawner d'araignée. Tac, tac, tac. Ah, oh, bah, nous avons un gâteau, nous avons déjà pas mal de choses. Un petit charnes, ça peut être cool. Du pain. Alors, le pain, je le prends. Oh, du saumon cuit. Ah, c'est pas con, ça, c'est pas con du tout. C'est même mieux. Hein, pour deck 2, quand même. Hop, je vais le mettre là. Un bout de gâteau, hein, donc le gâteau qui est toujours aussi bon. Donc voilà. Hop. Alors, j'ai un mob qui est juste en dessous. Alors, les spawners, on peut le récupérer. Voilà. Ah putain, il a du temps. C'est lui qui avait du Torms en fait. Hop. Coucou. Voilà. Comment vous pétez la tronche? Alors, ah, c'est pas mal ça, un shield. Spawner de zombies, en fait on s'en fout un petit peu. Protection 1, ça peut être cool. De la cobble. À prendre. Ça peut être toujours intéressant, de la cobble en fait. Non, de la stone brick. En fait, je vais éviter de tout prendre parce que à force, voilà, à force, ça va être assez carabiné. Broken spawner, tac. Merde. J'ai bien fait de prendre des blocs, moi. Allons-y.
passer par là. Tac, attention de ne pas tomber. Ici, c'est la descente. Hop. Il va y avoir du squelette. Oh putain, déjà qu'ils sont chiants à la base. Depuis qu'ils sont en un œuf, ces squelettes, qu'est-ce qu'ils sont chiants, je te garantis. Qu'ils sont nettement chiants. Oh, un power 2, tiens. Ouf. Power 2, je vais le prendre parce que c'est pas de la merde. Oh, une pioche en diams. Oh, c'est cool. Un power 1. De la cobble. Un peu de charbon avec un stick, c'est cool. Ça me fait toujours des torches, hein, c'est surtout ça, donc... C'est pour ça que je prends. Tac, la lumière, c'est cool, c'est magnifique. Hop. On va par ici également. C'est quoi? C'est encore des squelettes, hein, forcément. Et on va se calmer. Hop, 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 hop. Efficacité, efficacité 2, tiens. C'est cool. On va le péter, lui, parce que sinon il va me faire chier très longtemps. Tuc, 54, c'est magnifique. Alors, nous avons quoi d'autre? Donc, nous avons... Oh, il y a pas mal. Oh, il y a des choses. Je savais pas qu'il y avait des coffres sur le dessus. Bon, bah c'est cool, ça. Allez, on va continuer. Normalement, je n'ai plus rien. Ah si, j'ai là-bas à aller voir. Non. Hop. Tu. Oh ouais, en fait c'est un cul-de-sac quoi. Ok, très bien. Donc on peut aller descendre. On va passer à l'étage numéro 2. Qui est un petit peu plus corsé. De toute façon, plus on descend dans les étages, plus les mobs commencent à devenir très chiants. C'est tout à fait normal, hein. C'est vraiment les difficultés du jeu. Par contre, j'ai l'impression qu'on tape plus loin avec l'épée maintenant. What the fuck? Descends. Non mais... Alors, tac tac tac... Alors, les potions là, on voit plus ce qu'il y avait dessus. C'est un peu dommage. Un power 2. Ah, un power 2, power 2, ça peut être pas mal. Si je trouve une enclume, c'est cool. Un power 1, ouais. Bah, pour l'instant, je sais pas vraiment comment la meilleure des choses. Smite, non. Ah, une slim ball, ça je prends par contre. Des torches, une iron, on s'en fout. On prend ceci. Là-dedans, nous avons toujours des torches, des potions de régène, des potions de médicinales. On va dire ça. Un book, c'est bien beau, mais je prends pas le book pour l'instant. On va aller par là. Nous avons une torche, potion de poison. Power, encore une potion. Potion de poison, on s'en fout. Dommage qu'on n'a pas un slot, une touche attitrée pour avoir les slots. Ça pourrait être très sympa. Ah, des bouquins, il faudrait que je les prenne les bouquins moi. Ouais, j'aime dire j'ai pas ma pioche. Passer les bouquins, ça peut servir. Là, y'a personne ici. Ah, y'a personne. Bon bah tant mieux. Hop, on se casse. Ah, nous avons un wither en dessous normalement. Un wither skeleton. Eh. J'adore les squelettes comment ils se cachent. En mode fufu mais ça marche pas du tout. Alors hop. Par contre ils sont un petit peu plus vénères qu'avant les squelettes, hein. Il faut dire ce qui est.
Efficacité 2, je prends. Efficacité 1, on s'en tape le coquillage. Aqua Infinity, je prends. Putain, à force, j'aurais dû me faire un bague avant de descendre. Parce que c'est un petit peu de l'anarchie. Encore des torches, Aqua Infinity. Va être couché. Weakness. Weakness, ça pourrait être cool pour les zombies. Oh, salut. Putain, il donne tellement de loot en fait. Voilà. Bon, au niveau de l'épée, de toute façon, je suis pas prêt de descendre en durabilité, hein, vu la puissance de la cocotte. Hop. Aquafinity, machin. Tiens, je vais prendre cette potion. Je sais pas à quoi elle sert déjà. Ah d'accord. Weakness, nausée, tac, mais il régène. Ok, mais j'ai du strength dessus, donc c'est plutôt bien. Ah, et par contre, j'ai slowness. Slowness, c'est pas vraiment le meilleur des choses. Ok, on était ici, on descend en dessous. Ok. Bon, en tout cas, l'avantage, c'est qu'au niveau des pigs zombies, on est plutôt tranquille. C'est du coup ils ne les attaquent pas. Tant qu'on les touche pas, on n'aura pas de problème. Par contre, si on les touche, on aura un gros problème. Vu qu'il y en a énormément sur tous les étages. Hop. Oh, une autre pioche en diams. Oh, du diamant, ça je le prends par contre. Maiding. Ah, fait chier, hein. Il y a aussi une maiding. Peut pas y avoir maiding en livre, parce que maiding en livre ça pourrait être tellement cool. Ah, nous avons le... Merde. L'étage numéro 2. Alors, nous avons des stone brick. Hop, tiens, on va changer en ça. Ça pourrait être sympa. Feather Falling, ça peut être intéressant. Slim Ball, je prends. En fait c'est des potions bien gentilles mais c'est un peu de la merde. Donc du coup je le prends pas. Fire Resistance, ça sert absolument rien que je l'ai. Régénération, ça peut être sympa. Ça peut être très sympa à le prendre, donc vais le prendre. Ah, nous avons un coffre par là-bas. Des torches. De la tequila. Rien que le nom ça donne envie. Spoot. Spoot. Soulstealer 2, je le prends. Power 1, je prends pas. Du pain, je peux prendre. Du saumon, je peux prendre. Bon, bah c'est cool. C'est plutôt sympa. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, même si c'est un petit peu lourd, ça va être l'épisode un peu long parce qu'on va trouver des donjons. J'aurais dû commencer ça depuis le début de l'épisode en fait. Ça aurait évité le temps d'attente que j'étais en train de parler. Ça aurait évité peut-être des problèmes. Bon, il n'y a plus rien. Bon, bah voilà. J'ai fait la partie du donjon très intéressant. Donc, hop, continuons. On descend. Alors, troisième étage, cette fois-ci, ça commence à devenir un petit peu plus chaud. Ping zombie. J'espère que les ping zombies ne vont pas être mad au bout d'un moment. Oh, alors ça, c'est une salle que je préfère par-dessus tout. Pourquoi? Parce que dans ce genre de salle, généralement, il y a des têtes de wither squelettes. Bon, bah là, il y en a beau. Mais sinon, devrait y en avoir. Alors là, ça va être l'instant. Oh putain. Non. Bon bah, ça va, il a pas été tête là. Putain, mais il m'a foutu une droite. Eh, le squelette, voilà.
Oh putain! Oula, oula, oula. Oula, oula. Ça risque de péter. Mon avis, tu fais mal, toi. Allez, commence à avoir des trucs en diams, hein. Voilà. Alors. Oh, une larme de ghast. Je prends. Potion de heal, je m'en fous. Et franchement, c'est vachement cool, ça. Des blocs de quartz. Salut. Et franchement, c'est plutôt cool. Ça commence à devenir un petit peu dangereux. Ah, c'est cool, ils lootent leur truc. Par contre, j'ai tellement de bordel, moi, c'est fou. J'aurais dû vraiment me faire un... Putain, on peut tellement les enchaîner, en fait. Ah, je savais bien que j'en avais un. Ah, de la bonne bouffe. Médium, médium, protection, c'est cool. Ah, de la bonne bouffe. Fire, fire. Alors, par contre, je sais que par un moment... Je sais que par un moment, il y avait dans une salle comme ça. Bon, ça se voyait qu'il y avait quelque chose ici, de toute façon. Il y avait en fait des... Comment? Pas des... Si, c'était des... Oh, des flèches de fire. C'est plutôt intéressant, mais pas pour l'instant. En fait, il y avait dans certains... comment? Certains donjons comme celle-là. Ah non, il n'y a pas de plaque. Il y a ce qu'on appelle des squelettes un petit peu en mode vénère. Voilà, comme lui. Qu'il faut absolument buter parce qu'il a du machin. Oh, salut, l'appel. Comment elle est bonne, l'appel? Pas bol. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a des coffres derrière. Et c'est plutôt intéressant. Potion, potion... Ça je prends, parce que c'est plutôt intéressant. Oh, des flèches de régène. Ça c'est plutôt cool. Régène 2. Je préfère du régène normal. Par contre, les flèches sont plutôt intéressantes. J'irai peut-être les récupérer. Je disais, j'irai peut-être les récupérer à un moment, mais pas maintenant. Ok, très bien. Flèche de healing. Ouais, quand même. C'est quand même des putains de belles flèches, quand même. C'est de la bonne saturation, ça. Je vais le prendre. Les petites flèches de healing, je vais peut-être les prendre. C'est quand même pas rien, des flèches de healing, c'est surtout ça, quoi. Eh, on va se coucher. M'en douter. De slowness, des plantes de merde, du bon steak. Ça je prends, tiens. Va te coucher. Donc voilà, un petit peu ce qu'on a actuellement sous la main. Ah, lure, ça peut être cool, lure. Ah non, j'ai déjà visité ici. Ah ouais, c'est la fameuse salle de creeper. Donc la fameuse salle de creeper, comment on va faire? On va... Alors... Ouais, ça va, ça marche. C'est juste que en fait en dessous, faut éviter de l'activer pour l'instant. Et après viser.
L'avantage de résistance finalement, c'est plutôt cool en fait. Oula. Ah, heureusement j'ai fire résistance quand même. Mec, tu peux me rien faire tant que je suis dans la lave. Voilà. Bon. On va nettoyer un petit peu tout ça. Potion, potion. Protect 2, c'est plutôt intéressant. De la merde, de la merde, de la merde. De la merde. De la protection. Speed, c'est cool, c'est cool. Voilà, des torches. Ça peut être toujours intéressant. De la clé. Wesh. L'avantage de la lave qui se génère comme ça. T'as pas intérêt de l'update, sinon t'as un problème. Hop, la petite torche, la petite potion, la petite fire, la petite petite poison. Ah bah ça va, c'est plutôt cool. Alors. Ah, de l'eau, du steak. Potion de poison. Des potions de poison, il y en a quand même plutôt pas mal. Hein. Il faut dire ce qui est, c'est qu'il y en a pas mal. Alors. Là, on va devoir... faire un petit peu de nettoyage pour plus tard. Alors, est-ce qu'il y en a en dessous? Non. Alors, ici, c'est des trappes de chest. Ça se voit très bien. Et en dessous, il y a du gravier. Pourquoi il y a du gravier? Il y a une belle petite salle en dessous, en fait. Il y a plein de TNT. Bon, l'avantage, c'est que j'ai envie de récupérer la TNT. Ah, putain. Un bon élément pour faire péter tout ça. Alors on va essayer de voir s'il y a de la TNT un petit peu partout. Oh bah oui, il y en a encore un peu. Sinon c'est pas drôle. En fait parce que cette TNT là peut vraiment faire mal quoi. Voilà. Je sais pas pourquoi ils aiment pas les 1.9 les gens. Même si on peut. Fait peur le ping zombie sur les côtés. C'est avec le coup critique du coup tu peux donner vraiment des gros dégâts. Alors nous avons bah tout ça c'est plutôt cool. Beaucoup de charbon, de la torche. Nous avons du diamant, de la torche. Voilà. Une arme de ghast. Ça c'est plutôt cool. Bon, ben voilà. Mais forcément, il y en a plein. Oh, là, il commence à avoir du gros loot. Voilà. M'en doutais qu'il y en avait un là. Sharpness 2, bah c'est plutôt cool, en plus on a des... quand même on a pas mal de choses au niveau des bouquins, ce genre de choses, donc ça va. Putain, y'a rien ou quoi? Ah non, y'a rien. Peut-être là-dedans? Non, non. Eh ben on aura déjà pas mal visité. Est-ce que j'ai visité ce rayon? Oui, du fait que j'ai défoncé du mob. Et normalement, non, c'est pas la descente ici. Il y a une descente quelque part, les gens. Je ne sais pas où. Oh. Oh, un casque en diams. Eh ben, je vais le prendre. Là, tu vois, c'est au moment là que tu te dis, ah, ça aurait été bien un petit sac, vois-tu. Commence à devenir assez grand par ici donc. Salut. J'allais dire il m'a looté une tête.
Hop. Steak, steak. Connard. Hé. Suis sûr tu te caches ici, saleté de ce... du gros truc. Genre il me fout une claque lui. Alors j'ai pas fini ici normalement. Ah si j'ai fini. Mais il y avait là-dedans que je voulais vérifier encore. Salut toi. Là-dedans, nous avons bah, de la stone brick, c'est cool. Wesh. Je ne sais pas à quoi ça sert réellement un zombie avec une... un petit truc comme ça, mais bon, c'est pas grave. Des steaks. Au niveau de la bouffe, c'est plutôt cool, on va voir ce qu'il faut. Sans qu'on ait à buter des gros mobs. Donc ça va, c'est plutôt cool. Moi, ça me déplaît pas, hein. Oups. Alors, de la merde. M'en doutais. C'était trop beau pour être vrai qu'il n'y en ait pas. Wesh. En fait, les petits sont chiants du fait qu'ils ont changé leur hitbox. Du coup, on ne peut plus vraiment les toucher comme avant. Bon, bah ça continue là. Alors là, ça a l'air assez le bordel au niveau des spawners. Donc je vais tracer un bon petit coup, éclairé surtout. Voilà. Hop, hop, du steak, c'est magnifique, des torches. Voilà. Hé. Oh, une belle hache. Du steak, de la protect 2, de la merde quoi. Voilà. T'as vu, j'étais aise. Ah oui. Alors, toi, tu t'as dû spawner sur un spawner qui est ici. Ah, bonjour. Alors oui, une petite chose aussi que j'aurais voulu savoir. C'est bien 1.9 quand on mange de la nourriture, ça régène tous les cœurs. Parce que j'ai un petit doute. Personnellement, j'ai un petit doute. Un power 2. Le zombie est toujours aussi con. Tac. Ça va être un long épisode, hein. En tout cas, c'est un spawner de Wither Squelette. Je suis plutôt content. Tac. Skeleton. Ok, bon, bah c'est que squelette de base, tant pis. J'aurais espéré quelque chose d'un peu plus gros. Et donne-moi ton plastron, toi. De la merde, à part des blazes, mais...
Ah. Je suis pas très bavard, hein. Ne vous inquiétez pas, je suis pas du tout bavard quand il y a des situations comme ça. Wesh. Hop, des torches. Smite, Protect 2, c'est plutôt pas mal. Instant damage. Ah oh, putain, pas ça. Qu'est-ce que je déteste ça. En plus, elle loot tellement de choses, cette pétasse. Voilà. Alors, une bonne pioche. Un bon livre, une bonne axe, ouais, ça va, c'est plutôt cool. Alors, nous avons des torches, nous avons rien d'autre. Putain, c'était un peu nul ici, par contre. Ouais, franchement, c'était un petit peu nul. Ouais, les cœurs, vous voyez, ils remontent pas forcément comme je voudrais, en fait. Peut-être la difficulté, je sais pas. M'en doutais que t'étais là, toi. Sais pas s'il y a un mode pour permettre de voir la crossbar plus grosse. Il faudrait que je m'en renseigne. Bon bah c'est bon, j'ai nettoyé tout ça. Par contre, j'ai pas trouvé de tête de Wither. Donc peut-être qu'il y en a dans la salle juste en dessous. Je ne sais pas. On va continuer, on va continuer. C'est plutôt un très long épisode. Je m'en excuse pour ceux qui voudraient un petit. Mais bon, c'est... C'est la loi du game. Voilà. Donc, on a fait ça, on va ici. Oh, du diamant. De la stone, d'XP boost, protection 3. Oh, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'aurais bien voulu en livre, mais tant pis. Alors, ici, il faut vite. Putain, non. Ouf. C'est pas contre moi. Ouf. Ah si, c'est contre moi. C'est contre moi. Salut. Ouais, tu me veux du mal. Ok. Voilà, bon, de toute façon, je les soulève, hein. Rien à foutre. Non, tu m'en veux pas? Bon bah c'est cool. Et c'est plutôt cool comment les mobs qui m'en veulent pas personnellement. Ah si, j'ai l'impression que tu m'en veux toi. En fait ils me captent pas, mais au bout d'un certain tic, ils me captent. Donc je défonce tout le monde moi du coup. Ah oui, je préfère nettement les squelettes avec des épées. Très clairement, je ne sais pas pourquoi. Alors ça, fire, je m'en fous. Steak, steak, XP boost, YOLO. Voilà. Oh, des swains. Des ghasts. Bon, bah c'est plutôt cool. J'en suis combien dans l'épisode? Ouais, parce que je dois avoir dans une partie d'une heure ou d'une demi-heure. Mais ça va, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. J'espère que ça vous plaît, en tout cas. Les œufs. Eh. Hey. Tu croyais m'avoir, toi? Hop.
Bon bah ça c'est bon, je commence à être full en bouffe. Hop. Bon bah y a toujours rien là-dedans. C'est chiant, j'arrive pas à trouver ma truc que je veux. Tu croyais m'avoir toi? Le mec il croyait m'avoir quoi. Lol. Bon par contre c'est un petit peu dommage, je trouve pas du tout la zone que je veux. La zone de... comment? Ça se voit qu'il y a un spawner là-dedans. Du speed, bon bah c'est cool mais c'est tout quoi. Ah, commence à devenir intéressant avec l'opsy. Bouquin, dizit, cobble, ouais. Ah, y a rien d'autre. Ah, je suis plutôt déçu finalement. Voilà. En plus, j'ai même pas vérifié ici quoi. Tac, de la bouffe, de la bouffe. Shortness, unbreak, mending. T'as fait chier, ils mettent du mending partout maintenant. Mais pas sur ce que je veux. Bouf, bouf. Fire. Ok. Bon bah, voilà tout, hein. Je t'en prie. Donc, continuons par ici. Ah, ici le nettoyage. Salut! Voilà. Tac, 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 tac. Alors, il commence à avoir pas mal de mobs ici. Putain, en plus, c'est la belle zone. Explorer. Voilà. Hé. Alors, bon. Non, oui. Tac, 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 de la merde. Eh, puf, puf. Alors, je mettrai peut-être une musique, moi, pour la suite. Bah, pour la suite. Pour le continu, là. J'avais bien que t'étais là, toi. Tac, 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 la vente de gaz, c'est cool. J'en veux pas, non, non. Lampe de gaz. Non, steak plutôt. Hop. Et continuons notre aventure, hein. Il faut vraiment qu'on la continue, qu'on la termine. C'est très compliqué, mais il faut la terminer. Moi, je commence à être full en... C'est bien, je commence à être vraiment full en torche. Coucher. Non, t'es sérieux, y'a rien? Ah ouais. Régénération.
Allez, vas-y, vise. Voilà. Non, les bottes en diams. Ah putain, bande de putes. Putain! À cause de toi, connard! Oh, une tête de mob! Putain! Et franchement, ils sont hard, hein. Oh, une épée en diams! Bon, ça je le prends. Je sais pas contre quoi, mais je prends. Ouais, contre la bouffe là. Symbol, je prends. Putain, qu'est-ce qu'ils étaient chiants, mais d'une puissance. Ils étaient vraiment très lourdingues. Pop. Alors ça, des fois c'est chiant que ça pop tout seul là. Ce qu'il faut pas quoi. Fire, m'en fous. Bon bah il y a toujours pas de mob ici. Elle est où l'autre descente? À descendre dans les profondeurs. Mouah. Salut. Alors toi t'as spawné dans l'un des deux carrés. Voilà. En plus c'est un taux complètement aléatoire pour qu'il pop. Maison popée. Bon. Eh ben, on y arrive petit à petit, hein? Salut. Maintenant, il faut trouver la descente. La vraie descente. Du coup, nous, on va juste laisser là pour la première partie, puis on se retrouve la prochaine fois. Faut juste que je trouve le trou pour descendre. Parce que j'ai pas. Je sais pas où qu'elle est. Merci la map, mais à moins que j'y ai pas d'autre... Si, il y a une autre descente quelque part. Hein. C'est un peu obligé. Il y a un autre truc juste en dessous, donc... C'est un peu obligé qu'il y ait une descente. C'est généralement dans un croisement, de toute façon. Bah. Bon, on va essayer comme ça. Si ça marche pas, bah tant pis. On aura quand même essayé. Oh, il n'y a pas ici. Peut-être ici, peut-être là. Peut-être là. Ah, en plus, j'ai pas pété là. Il n'y avait rien. Mais... Vaut mieux être sûr. Bon, bah, j'ai pas trouvé les gens. Donc du coup, bah, je vous dis à plus.